Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportive, culturelle et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'influenceuse ivoirienne Emma Loès. L'influenceuse ivoirienne Emma Loès a encore fait parler d'elle sur les réseaux sociaux très tôt ce matin, mais cette fois-ci, elle a crié son ras-le-bol et sa colère contre les structures hospitalières en Côte d'Ivoire. L'influenceuse ivoirienne Emma Loès s'est dit en colère contre les structures hospitalières en Côte d'Ivoire parce que pour elle, si on n'a pas d'argent, donc nous sommes condamnés à mourir et nous ne pouvons pas nous soigner décemment. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous expliquer de long et en large ce qui s'est réellement passé et qui a provoqué la colère de l'influenceuse ivoirienne Emma Loès. Voici les faits. Tard dans la soirée d'hier, l'influenceuse Emma Loès a été contactée en privé sur sa page Facebook par l'une de ses abonnées qui lui demande de l'aide, de lui venir au secours car sa sœur est hospitalisée actuellement dans un hôpital de la place. Par manque de moyens, elle ne pouvait pas faire opérer sa sœur, donc elle demande à l'aide à l'influenceuse Emma Loès pour qu'elle puisse venir à son secours. Voilà ce qui a créé réellement la colère de l'influenceuse Emma Loès et elle a décidé de faire plusieurs publications sur sa page Facebook ce matin pour crier son ras-le-bol contre les structures hospitalières en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'a dit l'influenceuse et voilà ce qu'a écrit aussi la fan de Emma Loès qui l'a contactée hier en inbox pour qu'elle puisse venir en aide à sa sœur. Voilà le récit. La fan de Emma Loès, du nom de Marie-France Conné, a contacté Emma Loès hier tard dans la soirée pour qu'elle puisse venir en aide à sa sœur. Voilà ce qu'elle a écrit à l'influenceuse. Tata Emma Loès, au secours, aide-nous. J'ai ma sœur qui s'est fait césariser en urgence et bloquée à la clinique pour cause de factures impayées qui est de 250 000 francs. Et jusqu'à là, elle est bloquée. Le bébé n'a pas encore reçu des soins parce que nous n'avons pas les moyens pour acheter les médicaments prescrits. Elle souffre et elle est actuellement anémie. L'auteur de la grossesse l'a abandonnée et elle est orpheline de père et de mère. Voici la photo d'elle et le bébé. Je suis joignable. Voilà ce qu'a écrit. La fan d'Emma Loès a aussi laissé son numéro dans le commentaire qu'elle a écrit à Emma Loès pour qu'elle puisse la joindre à ce numéro pour lui venir en aide. Rapidement, l'influenceuse a répondu à sa fan qui lui a écrit d'urgence pour lui venir en aide à sa sœur qui est actuellement opérée dans une clinique. L'influenceuse Emma Loès n'a pas tardé à répondre dans les minutes qui suivent à sa fan qui lui a écrit en privé. Elle lui a demandé c'est quel hôpital. Et aussi, l'influenceuse n'a pas manqué de mettre aussi un autre commentaire sous le commentaire de sa fan qui l'a contacté en privé. Voilà ce qu'il dit Emma Loès. Les hôpitaux là, ils ne peuvent pas laisser quelqu'un mourir pour manque de moyens. Voilà le commentaire qu'a laissé l'influenceuse Emma Loès avant de partir rapidement dans cette clinique pour sauver une vie. Après d'être venue en aide à l'une de ses fans, l'influenceuse ivoirienne Emma Loès n'a pas oublié de mentionner sur sa page Facebook pour crier son ras-le-bol. Voici ce qu'elle dit. Dans mon insomnie, là je tombe sur ça. C'est ce cas qui m'a fait tiquer.
Mais Emma Love, j'ai besoin de comprendre. Comment on peut laisser quelqu'un mourir aussi facilement? Et comme si ça ne suffisait pas, on appelle l'hôpital bas. Il n'y a personne. Pas de médecin apparemment, sur place. Et la dame, une sage-femme, je suppose, nous dit qu'il faut venir à midi, l'heure des visites, ou à 7 heures comme le cas, c'est urgent. Donc, vous savez que c'est urgent, mais ça parle de visite. Pendant que la dame a fait une césarienne, elle est anémiée et n'a rien reçu comme soin. Sérieux, avec des points d'interrogation, écrit l'influenceuse. Où on est là? Donc, quand on n'a pas d'argent, on est condamné à mourir, quoi. Je suis choqué. Voilà ce qu'a écrit l'influenceuse Emma Louest sur sa page Facebook. Voilà ce qu'a écrit l'influenceuse Emma Louest sur sa page Facebook pour créer son ras-le-bol. Et l'influenceuse ne s'est pas arrêtée là. Elle a encore continué dans un autre commentaire sur sa page Facebook, dans lequel elle dit: j'ai dit, oh, cette histoire de refuser de soigner les gens mourant par manque de moyens là. Donc les hôpitaux là, c'est vrai, vrai. Voilà les dires de Emma Louest sur son second post sur sa page Facebook avec un point d'interrogation. Après ces différents posts sur sa page Facebook, les fans de l'influenceuse sont venus très rapidement réagir en commentaire. D'autres m'ont même expliqué leur histoire de ce qui se passait vraiment dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous à DHTV1, nous tenons à remercier l'influenceuse ivoirienne Emma Louest pour son ouverture et sa gentillesse et surtout sa disponibilité pour ses fans. Et merci aussi pour la vie qu'elle vient de sauver. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. N'oubliez pas aussi de taguer vos amis pour s'abonner à la page DHTV1. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.